Alors mes bâtis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment je colle ma perruque. Donc pour moi c'est une première, j'avais jamais essayé de perruque, j'avais jamais même eu une perruque entre les mains. Et pourtant vraiment j'ai toujours kiffé le principe de pouvoir changer de tête H24. Donc c'est pourquoi je me suis pris cette perruque du site Sympa Beauté. Donc c'est un site de vente de perruques, il y a tout type de gamme, il y a tout type de longueur, il y a tout type de texture, il y a tout type de couleur, bref, vraiment tout. Et du coup j'ai pris une perruque de 20 pouces, de 50 cm, donc elle m'arrive juste en bas de la poitrine et je me suis donné comme défi de la coller tout seul, sachant que déjà moi de base sur mes cheveux je suis archi nulle, mais alors là coller une perruque c'est un scandale. Bien évidemment pour une première, vous le doutez, c'est pas parfait. Je sais toujours pas faire les bébières, je sais toujours pas très bien aplatir mes cheveux pour que ça fasse vraiment très plat. Mais en tout cas pour le résultat général, j'aime beaucoup. Sachant que ce sont des cheveux humains, donc voilà, plus vrai tu meurs. C'est une perruque que ça fait environ un mois et demi que j'ai. Je l'ai lavée, je l'ai séchée. J'ai déjà essayé de la boucler et franchement c'est canon. Bref, en tout cas je l'ai vraiment mal menée. Ça fait un mois et demi. Donc comme je vous ai dit et comme vous allez voir dans le tuto, c'est pas extrêmement parfait, mais pour une première je suis assez fière de moi. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer le tutoriel. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Always have your heart. You never see it coming, 'cause you're blinded from the start. Know that you're that one for me. It's clear for everyone to see. Ooh, baby. Yeah. You gotta rock and wait in this one. Oh, come on.
coupé bâti, voilà le résultat. Donc on est d'accord, enfin je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment vraiment pas parfait. On n'oublie pas, c'est la première fois que je mets une perruque. Enfin, on va dire que c'est la deuxième fois parce que j'avais filmé une première fois et que ça avait raté, j'ai dû recommencer. Mais bon, on va dire que c'est comme une première fois. Et franchement, si vous zoomez, si vous voyez de près, vous voyez que c'est pas parfait. Notamment les babyhairs. Sérieusement, je crois que j'ai passé 45 minutes à essayer de faire des babyhairs, mais je ne comprends pas. J'ai même regardé des tutos, etc. Et sérieusement, je n'y arrive pas du tout. Franchement, je suis trop deg. Donc, ce que j'ai fait, je vais zoomer. Donc voilà, j'ai zoomé pour que vous puissiez me voir. Comme vous voyez, j'ai pas du tout fait de babyhairs ni rien du tout. En gros, la perruque, elle est collée comme ça, quoi. Mais je trouve ça joli de mieux faire en fait l'avant avec des petits cheveux, etc. Bon, on va dire que pour une première fois, c'est pas catastrophique, mais c'est pas ce que je voulais en fait. Je suis un peu dégoûtée, genre j'aime bien vraiment l'effet babyhairs et tout. Deuxième chose que je n'arrive toujours pas trop à maîtriser, c'est vraiment le fait que la perruque elle soit vraiment plate. Genre quand je regarde des tutos, etc., la perruque des filles, elles sont vraiment genre très plates en racine. Alors il y a deux solutions, soit il faut vraiment bien se tresser les cheveux et du coup bah, ça fait très plat, soit c'est vraiment moi, je l'ai mal posée. Enfin je sais pas. Du coup en soi la perruque elle est vraiment de très bonne qualité. On va dire que ça fait la deuxième fois que je la mets. Elle ne perd absolument pas de cheveux, elle brille, elle fait vraiment vrais cheveux. En gros quand je vais apprendre à vraiment bien la poser, vraiment bien la mettre, je pense que ça sera pas du tout cramé. Je vais afficher ici toutes les infos sur la perruque. Mais en tout cas vraiment j'ai trop kiffé, elle est super jolie. Elle est vraiment bien longue, elle m'arrive en bas de la poitrine. Même genre au niveau du bas des cheveux, on a vraiment pas du tout l'impression que c'est une perruque. Sincèrement j'ai tellement kiffé que j'ai trop envie de la porter, mais tant que je ne sais pas faire des babyhairs, je pense mettre un petit foulard comme ça. Je vous montre comment il est, vous savez, c'est les foulards un peu triangulaires. Je vais le mettre en mode pirate. Bon, je sais qu'il y a des filles qui vont pas aimer, ils vont me dire non mais allô, c'est horrible. Mais je préfère vraiment mettre un petit bandeau tant que je sais pas faire les babyhairs et bien bien coller devant, genre que ça soit vraiment pas cramé. Vous voyez ce que je veux dire, genre ma hantie, je sors dehors. Je sais pas, on capte, on me dit ah t'as mis une perruque et tout, enfin bref, ouais, j'aime pas. J'en ai acheté un deuxième, mais je sais pas du tout il est où. Voilà, en tout cas j'ai kiffé. Si vous voulez des petits foulards comme ça, il y en a plein sur AliExpress. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos de ce que j'ai acheté, mais en tout cas moi je kiffe. Et du coup voilà, ça donne ça. En gros ça fait un peu pirate qui a raté sa carrière, mais t'as capté, genre en mode, il y a personne qui peut me dire t'as mis une perruque. Genre là c'est sûr. Après je peux aussi mettre, là j'ai devant moi, j'ai des chapeaux, j'ai des bérets, j'ai des gavroches, bref. T'as capté, genre je pense que je vais faire ça. Et le jour où vraiment genre je sais bien les coller, bien les mettre, etc., je pense que je ferai des babyhairs et je mettrai plus rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous en vidéo ça rend vrai ou pas? Est-ce que je continue à forcer à mettre ça? Ou quand même je tente à sortir sans béret, sans rien du tout. Sachant que voilà, c'est pas trop top le devant de la tête. Hein. Si la perruque vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le site de Sympa Beauté. Vraiment, c'est un site très professionnel. Ils envoient les colis très rapidement, même en période de confinement. Vous avez droit également à un petit code promo que je vais mettre en barre d'infos. Donc si une perruque vous plaît, n'hésitez pas à l'utiliser, comme ça, ça fait moins cher. Sachant que quand même par rapport aux autres sites, elles sont vraiment pas chères. Je le répète, ce sont des vrais cheveux. Donc voilà, c'est pas une qualité de merde. Et vrais cheveux, c'est à dire que si vous en prenez soin, c'est vraiment une perruque qui peut vous durer des années. Donc voilà, je trouve ça extrêmement top. Moi je suis une personne, j'aime trop changer de tête, j'aime trop changer de style. Donc le fait d'apprendre à mettre bien des bonnes perruques, hein, des belles perruques, et pouvoir changer de tête tous les jours, vraiment je kiffe. Je pense que la prochaine je vais investir sur un blond ou bien vous savez un petit peu plus marron. Je trouve que le brun comme ça foncé, ça me rend un peu méchante, alors que wesh, je suis trop gentille. Donc voilà, la prochaine perruque ça sera du blond. Et je pense que d'ici là j'arriverai carrément à les coller, etc., comme ça cet été. Après la réouverture du monde, je serai en mode de girl. Donc voilà mes bâtis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vraiment ça vous aura plu. Si vous êtes archi nul comme moi, vous n'allez pas forcément réussir comme les pros, mais vous allez avoir un résultat comme ça, c'est assez potable. Ça passe, t'as capté, donc genre... Si tu me connais pas et que tu es nouvelle, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Dessus, je poste tous mes tutos beauté. Donc si tu aimes bien ce make-up, tu pourras aussi le retrouver sur Instagram. Je fais aussi en période de confinement quelques lives. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu veux passer ton temps, n'hésite pas à nous rejoindre. Si tu me connais pas, je suis Najwa de la chaîne Saphir Beauty. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. And I, oh!